Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Un flash à qui nous commençons par le conseil des ministres tenu ce matin au palais de Kossiam. Entre communication orale et examen du dossier, le conseil a autorisé des missions à l'étranger. Également à ce conseil, une réaction par rapport à la publication de l'ONG Human Rights Watch relative à des supposées exécutions sommaires de terroristes, une opération conjointe de sécurité qui s'est déroulée dans l'ouest du Burkina Faso. Les députés sont depuis ce matin à l'école des biotechnologies, le Centre national de recherche scientifique et technologique, en collaboration avec la commission chargée de l'éducation, de la santé, de la jeunesse et des affaires sociales, a organisé un séminaire parlementaire sur la question des biotechnologies. Il s'agit pour le CNRST de donner des informations aux députés sur la recherche dans ce domaine au Burkina Faso, ses enjeux et ses risques. Une délégation des impôts du Mali est en visite à la Direction générale des impôts du Burkina Faso. Objectif à découvrir le fonctionnement de la facture normalisée au Burkina. La facture normalisée est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2017 et elle produit de bons résultats en matière de collecte de la TVA. Le Mali, qui entend donc élargir son assiette fiscale, est venu s'imprégner de cette réforme pour la mettre en œuvre. L'avenir du commerce dans les pays les moins avancés en débat à Ouagadougou. Les partenaires bilatéraux des agences de développement et leurs bénéficiaires sont dans la capitale burkinabé pour échanger sur les voies et moyens de faciliter l'insertion des pays les moins avancés dans le commerce international. Une concertation qui permettra d'évaluer ce qui a déjà été fait et voir les priorités afin de dégager des perspectives dans ce domaine. Et pour terminer, à l'étranger, le président américain soutient l'Arabie Saoudite dans l'affaire Khashoggi. Donald Trump préfère préserver la relation entre Washington et Riyad que de renier le prince héritier Mohamed Ben Salman. Alors que les médias américains rapportent que la CIA n'a plus de doute sur la responsabilité du prince héritier saoudien dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, Donald Trump, lui, affirme que les services de renseignement n'ont rien trouvé d'absolument certain et donne la priorité aux investissements américains. On s'arrête là pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous à 20h.